Quel match, mais quel match avons-nous assisté? Yo les potes, c'est Clamout, donc je vais vous faire une intro très très rapide, on rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui les potes, je vais vous montrer tout simplement le score exact avec tous les buts, je vais tout vous montrer, tous les buts et tout. Justement, j'ai une technique pour vous montrer tous les buts, ils viennent de tribune, etc, etc. Du coup, je vais vous montrer tous les buts et je vais vous faire un petit résumé durant cette vidéo. Du coup, reste bien du début à la fin de cette vidéo. En tout cas, je te fais un petit résumé, en même temps, je te dis les petits buts, franchement, reste, cette vidéo va être Cookening, franchement, reste du début à la fin, elle va être super. Donc, on a eu un but en début de période de Kylian Mbappé. Donc, vraiment, ce but, quand je l'ai vu, je me suis dit, le match est plié, c'est bon, le PSG a gagné, etc., etc. Puis ensuite, deuxième période, on voit plus trop d'action. Je me dis, bon, bah, c'est bon, le PSG gagne, ils vont gagner ce match et tout. Et ensuite, on a eu un petit but, on a eu une faute, tout simplement, du gardien du PSG, Donnarumma, qui donne une action formidable à tout simplement Benzema qui va marquer derrière. Enfin, c'est Benzema qui vient gratter la balle et ça m'a rappelé une finale de Ligue des Champions. Je sais plus contre qui c'était, vous allez me dire en commentaire, mais en tout cas voilà, Benzema qui vient gratter la balle à Donnarumma et qui tout simplement Donnarumma concède ce but et franchement le but est super beau. Et pour finir les potes, encore un autre but tout simplement de encore Benzema qui va marquer. On a eu que des Français les potes qui ont marqué. Franchement, je suis trop content les potes, il y a eu que des Français qui ont marqué. Bon, je suis un peu moins content qu'une équipe française n'ait pas gagné et va pas justement en finale de Ligue des Champions, mais ce que je suis content c'est qu'il y ait que des Français vraiment qui ont marqué durant cette période et franchement moi ça me fait plaisir. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, tu vois. En soi, il y a eu que des Français qui ont marqué. Ça prouve bien l'influence de nos joueurs qui sont formidables. Et justement, on va faire un bon truc justement pour la Coupe du Monde avec Mbappé, Benzema qui marque des buts formidables. Forcément, les potes, on va gagner cette Coupe du Monde. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les buts, les potes. Du coup, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai été choqué. Dis-moi en commentaire si toi aussi, t'as été choqué par ces actions qu'ils ont été. Franchement, vraiment, ce match, il est fou. Je vais te montrer les buts tout simplement durant cette période, mais en tout cas voilà, moi ça m'a réellement choqué. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner avec la cloche de notification et voilà, et si tu veux voir tous les buts poteau, ils sont sur mon Instagram c'est Clamout, C-L-A-M-O-U-T-E, et si tu joues à Fortnite, code créateur Clamout. Du coup voilà, merci poteau d'avoir écouté, Clamout, C-L-A-M-O-U-T-E, mon Instagram, et t'auras tous les